Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Stargame pour un nouveau tutoriel sur le jeu de Clash of Lords. Dans ce tutoriel, je vais encore continuer à faire des tirages gratuits pour tenter de gagner des roues épiques ou rares. J'en ai obtenu quelques-uns depuis. Donc aujourd'hui, en démonstration sur le compte de Gamgeek, nous allons faire des tirages pour le jeu de Clash of Lords. Alors sachez tout le monde que ce tutoriel sera classé dans la playlist support pour Clash of Lords. Donc ici, sur la chaîne de Storegame. N'hésitez pas à faire un petit coucou à la page de Gamgeek. Plein sur un jeu seront proposés très prochainement pour le public. Donc maintenant, on va se rendre sur le jeu de Clash of Lords avec Gamgeek. Nous allons faire des tirages pour obtenir des héros gratuitement. Pour l'instant, nous allons partir dans le tableau des héros. Donc sachez que ici, c'est l'accès en fait direct vers le tableau des héros ou des objets que vous avez au fur et à mesure des défis à remporter. Donc vous avez des objets ici que vous pouvez utiliser à tout moment. Je reviens sur mon héros, un héros rare que j'ai obtenu gratuit, le bombardier éclair. Donc aujourd'hui, je vais continuer à l'améliorer car parmi mes rares obtenus gratuitement, j'ai la sorcière rayonnante qui a quand même atteint un niveau de 52 aujourd'hui. Je viens tout juste de commencer à jouer, donc je vais continuer pour l'instant à améliorer le bombardier éclair en lui donnant tout simplement des œufs de points d'expérience. Donc j'avais montré dans mon précédent tutoriel comment améliorer un héros. Donc il suffisait tout simplement de sélectionner les objets ou des héros en double à sacrifier et à donner en sacrifice à votre héros. En l'occurrence, pour moi, c'est le bombardier éclair aujourd'hui, qui est maintenant à un niveau de 33. Donc, on va revenir sur lui et vous expliquer sa page contenant toutes ses caractéristiques. Donc, ce héros, comme tout le monde peut le voir ici, a des caractéristiques de points vitaux et d'attaque. Donc, ce sont ses caractéristiques actuelles. Ici, vous avez ces mercenaires. Sachez que sur le jeu de Clash of Lords, tous vos héros disposés sur les bases de votre base, eh ben, sont accompagnés de mercenaires lorsque vous partez en défi. Donc au total, j'en ai 9 sur 50 pour l'instant, car pour augmenter le nombre de mercenaires qui accompagnent votre héros en raid ou en défi, il vous faut ces objets, donc qui est tout simplement rappelé par un capital ici. Donc ce sont des objets que vous obtenez, des points que vous obtenez lorsque vous participez à certains défis sur Clash of Lords. En deuxième partie ici, vous avez un rappel de son talent, de ses pouvoirs. En l'occurrence ici, vous avez son talent primaire que vous pouvez à tout moment aussi améliorer grâce à un échange de bagues. Donc avec la même chose, un rappel de capital ici. Vous avez la possibilité de lui intégrer un talent secondaire. Pour l'instant, je préfère économiser mes joyaux verts pour faire des tirages de héros. Car il m'en faut encore un peu plus pour pouvoir augmenter ma puissance assez rapidement. Donc, nous allons faire un tirage sur Clash of Lords, un tirage gratuit, car à chaque moment sur le jeu de Clash of Lords, vous avez une recharge de recrues gratuite. Donc c'est journalier, n'hésitez pas à vous connecter pour faire vos tirages, car des fois vous pouvez avoir de bonnes surprises. Donc je rappelle à tout le monde pour accéder à la description des différents héros
que l'on peut obtenir sur le jeu de Clash of Lords. Il vous suffit tout simplement de vous rendre, comme j'ai dit, dans le magasin ou alors dans des objets qu'on ici et en savoir plus à tous les héros que vous pouvez posséder ou gagner ou acheter. On va faire les tirages de mes 12 recrues obtenues gratuitement avec vous. J'espère obtenir au moins un héros rare. Car ici, vous avez un rappel de héros que vous pouvez gagner. Donc, ce qui est bien, ce sont les héros épiques qui sont très durs à avoir. Un 9 de points d'explosion, c'est bien. Il me faut un héros. Bon, pour aujourd'hui, c'est pas un jour où j'ai gagné un héros rare, mais c'est pas grave, car j'ai la sorcière rayonnante qui est d'un petit level pour l'instant, mais que j'en continue à améliorer au fur et à mesure sur le jeu de Clash of Lords. On va pouvoir repartir voir le bombardier éclair et lui tonner, point obtenu. En sacrifice pour augmenter son niveau. Voilà, c'était un aperçu d'un tirage gratuit sur le jeu de Clash of Lords avec Gamgic. N'hésitez pas à venir voter pour la chaîne de Gamgic sur Storegame. Clash Shop est disponible sur la plateforme Google Store. Donc c'est un jeu qui fonctionne sous Android ou un autre émulateur disponible PC. Donc vous pouvez le télécharger gratuitement. Je conseille à tout le monde de bien regarder mes tutoriels pour commencer à bien prendre en compte les différents parts que vous devez au tout début. Donc je rappelle à tout le monde que je mettrai la vidéo ici, dans le support de Clash of Lords. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Clash of Lords.